Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Hermède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas vrai. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces... Putain. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je l'ai sauvé. Quel merdier. Ellie est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi? Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner.
bon, je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. À plus tard, Tammy. Ellie? La vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais... te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et... Je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps, c'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Myself, everything I have
try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you. Eh ben, c'était pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh, non. Non, 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 je saurais même pas comment la tenir. Je t'ai promis que je t'apprendrai à en jouer. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais d'une première leçon demain soir? Vendu. Ok. Ok. Est-ce que... la blague t'est revenue? Tu sais quel est le comble pour une horloge? C'est de te voir tuer le temps. C'est vraiment débile. Ouais. Allez, dors bien. Salut. Bonjour. Désolée, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Je... elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends... t'as embrassé Dina? Ah. Oh. Tu bécotes mon ex? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux, moi je voulais pas... Oh, putain, c'est trop gênant. Tu vois pas que je te fais marcher? Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es qu'un con. Hé, c'était quand même pas très cool. Oh. Dépêche-toi, on est en retard. Ça pue pas. Ok. Joël est réveillé. On a repéré les infectés au nord. Et elle a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais.
Ils ont failli beaucoup dormir. Pas autant que toi, en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut ? Ouais. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Ok, petit résumé. Ah ? C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementée. Maria veut te parler. Elle s'est bien amusée. Elle est où ? Au resto. C'est à propos de Seth ? Aucune idée. Dis-lui que tu m'as pas vu. Tu rêves ? Mais c'est vraiment pas cool. Désolé. Eh, donc... Tu m'en veux pas, hein ? Toi ? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. Salut, mon vieux. Oui, ça fait du bien. Salut, Jesse. Ah, salut. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Pardon. Ellie! Viens, je t'attendais. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth! Seth, viens là. Au secours. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. Eh bien... J'ai préparé des sandwichs. Ok. À la viande. Merci, Seth. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi, ça ? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr ? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où ? Ils devraient être au poste de Gaynor West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière ? Non, pas vraiment. Très bien. Dina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Ellie, je peux te parler une seconde ? Ça va ? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria. Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûr ? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, Dina ! C'est l'heure ! Deux secondes, j'arrive !
Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît. Dina, je peux te parler? Hé, hey, les gars, je fais une pause. Salut, salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ouais. Non! Ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Quoi, t'as la trouille? Je déteste vraiment ce gamin. On lui met la misère? Ouais, bonne idée. Vous l'avez cherché! Gare à vos miches, les petits cons! Oh merde! Mettez-vous à couvert, vite! Oh! Ah, je t'ai eu! On n'est pas encore foutu, bande de nazes! Ah! Je vais t'attraper, Minus! Mange ça! Ta gueule! Aïe! Mon sang! Il est fort, ce gamin! Ah ah, t'aimes ça? Ah mince, de voir. Ah, allez, tiens. Oh non, Léa, mange ça, petite merde. On va vous battre. Dans ta... Va te planquer! Va te planquer! Tes parents, ça! C'est pas juste! Mangez ça, les crevettes! Hé! Hey, hey. Alors, ça fait quoi? Non! Sur elle! Vous allez pas vous en tirer! Stop! Lâchez-la, bande de monstres! Arrête! Allez, tout ça, mais on a du travail. Du vent. Oh non! Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut. Je m'en occupe. Merci. Hé, hey, arrête ça. On a presque fini. Ça, c'est un bon cheval. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Paillette. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Et un pour toi. Ouvrez les portes! Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. Yeah.
Salut. Salut. De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose? Non, mais t'as... Tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer. Viens. C'est par là. La vache, ça caille. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi-même. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Et on va vers le sud. Plus c'est joli. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manny. Ouais. Quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Allez, viens. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Oui, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Hé, hey, fais gaffe en ce temps. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. C'est vrai. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Wow. Eh ouais, on n'est pas tous aussi gracieux que toi. Quoi ça? Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Oh merde! Hé, hey, regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Owen, faudra repasser par là, au retour? Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Garde armée patrouillée entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'ils soient là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça.
Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hé. Hey. Arrête. On se voit à ton retour. Oh putain. Dégage. Dégage.
Oh, merde, mon épaule.